Salut, c'est Aziz Diaby. Donc, je suis drépanocyte de type SS FA2. Donc, je fais beaucoup de crises et en général, la majorité de mes crises que j'ai eu à faire ont été déclenchées par le paludisme. Donc, le paludisme, c'est vraiment un problème pour les drépanocytaires. Donc, la prise en charge du paludisme est très importante. En 2019, j'ai découvert la Artemisia en poudre que je prenais et pendant un an, de 2019 à 2020, j'ai pas fait de crise. Voilà. Mais la poudre, ça verrait, la prise de la poudre, ça verrait un peu contraignante parce qu'il fallait bouillir et ça coûtait aussi cher. Et donc j'ai, au fur et à mesure, abandonné la prise de l'artémisia et mes crises ont refait surface. Donc dernièrement, j'ai découvert avec l'ONG Sentiment de l'artémisia en gélule. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins cher d'ailleurs. Donc, depuis lors, je suis à l'artémisia comprimé. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je conseille à tous les drépanocytaires de se procurer l'artémisia et de le prendre parce que si le problème du paludisme est réglé, les crises vont se faire. Voilà. Merci beaucoup.